Ouais, salut à tous, aujourd'hui coup de gueule, je vais parler de ce que personne ne parle. Il y a des créatures sur jeu qui servent à rien, il faut rétablir la vérité parce que là j'en ai marre, ça me saoule. Steve, pas content hein. Vas-y, on va commencer par l'abeille. À part bouffer du pollen toute la journée et rester en serruche, qu'est-ce que ça fait sérieux? Oh là là, tout le monde était content quand on a vu qu'il y avait des abeilles en 1.15. On était hypé un mois et après on les a oubliés. Et même leur miel, il les sert à rien. Ah si si, attention, ah, attention, on a quand même l'utilité maintenant avec les blocs de cuivre. Quand on met du miel, les blocs de cuivre se conservent. Super, ça fait deux trucs qui servent à rien. Et en fait, si vous aimez la vidéo, bah likez et je ferai un top 10 des pires items. Y'a de quoi faire aussi, vous inquiétez pas. La chauve-souris, non mais va falloir m'expliquer. Car à part te saouler quand elle passe devant toi quand tu mines, je vois pas à quoi ça sert. C'est tellement pourri que ça loot que dalle. Vraiment la pire créature. Et voilà, j'ai rien à dire de plus tellement c'est pourri comme créature. Ah bah ouais, vas-y, l'ours blanc. Mais c'est pareil, ça loot rien du tout, on n'en croise jamais. Et quand tu t'approches de leur bébé, ils sont vénères. Mais on va rien faire à ton enfant puisque tu lootes rien de toute façon. Restez sur votre banquise près des igloos et laissez-nous tranquilles, sérieux. Ouais d'ailleurs, tiens, en parlant d'ours, on peut parler peut-être du panda, non? Il vit dans sa jungle, tranquille, mais c'est pareil, il loot rien, il sert à rien du tout. Ouais, il est mignon, nanana, mais je m'en fous, mais c'est pas en faisant des roulades qu'il va améliorer ma survie, le gars. Ah oui, puis en parlant d'animaux mignons, parce qu'on en a pas mal, le renard, non mais c'est pareil, tu sers à rien, tu peux prendre la laisse dans ta gueule, oh super, je suis ravi. Voilà, on aurait pu adopter des renards archi-guerriers, on les aurait armés, ils se seraient battus pour nous, mais non. On a eux là qui servent à rien, mais qu'est-ce que tu fais? Oh bah tiens, bah oui, le marchand ambulant, mais je peux en parler aussi, niveau troc et tout, ça va, niveau les échanges, ouais, tu veux pas de la terre en échange d'émeraude non plus, non? Ah oui, puis d'ailleurs, bah oui, non mais ils vont y passer aussi les villageois, hein, parce que là c'est le même type d'espèce. De toute façon, entre arnaqueurs, je pense qu'ils doivent se comprendre. Et en plus avec leur bruit horrible, non mais taisez-vous sérieux. En fait toi derrière ton écran là, si t'aimes la vidéo, bah like et abonne-toi. Voilà, merci beaucoup, on continue. Et les perroquets, non mais à part danser quand il y a un jukebox, yes, merci les gars, mais vous repasserez hein. Et en plus, tu savais que si tu leur donnais un cookie à ces perroquets, et bah ils meurent. Non mais voilà, j'en dis pas plus, ça veut tout dire en fait, ça veut juste tout dire. Le fantôme, alors ça je comprends toujours pas pourquoi on l'a voté. C'est archi chiant, genre si on reste à un endroit sans dormir, il spawn. Mais c'est quoi ça? C'est pourri comme caractéristique. Plus quand tu sors chez toi de la nuit, ils te poursuivent. Ils te poursuivent. Ah non mais ils sont hyper chiants. Et il n'y en a pas qu'un, hein. Il y en a trois. Bah oui, la chèvre, le super ajout de la 1.17. Merci Mojang, fallait pas. Mais il fallait vraiment pas en fait. Alors oui, sur Bedrock, elle sert à quelque chose. Mais sur Java, désolé, on pouvait s'en passer. Ça sert tellement à rien que quand tu la traites, eh bah elle te donne du lait. Le même lait que les vaches. Ouais, non mais faut arrêter de nous prendre pour des cons au bout d'un moment. On nous a vendu ça en mode, oh regardez, les chefs sautent, et tout le monde était content. Mais sérieux, il faut se réveiller, hein. Ah bah oui, le zombie momifié, ça c'est un zombie, mais du sable, dans le désert. Voilà, c'est tout. C'est tout. Mojang, ils avaient juste pas d'idée, ils ont mis ça, et nous on a fait quoi? On a rien dit. Personne s'est dit, on se fait un peu avoir par Mojang là, non? Pas du tout. C'est pas assez crème. Je vais finir par la créature qui m'énerve le plus, mais le plus au monde, le Silverfish. Rien que d'en parler, là j'ai envie de tout casser. En plus c'est archi fourbe, ça se cache dans les blocs et ça attend que tu le mines pour bam, t'attaquer. Et c'est tout petit, c'est archi galère à tuer. Vraiment, Mojang, si vous devez supprimer un mob, c'est celui-ci. Vraiment. Vas-y, c'est bon, ça m'a saoulé, j'arrête la vidéo parce que sinon je vais casser un truc. Donc allez, à la semaine prochaine.